Bonjour tout le monde, ici Gabriel Lamarre et je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps, c'est-à-dire faire une critique d'un jeu que j'aime vraiment pas. Eh bien, celui-ci est un qui a une assez bonne place dans mon cœur, puisque c'est Desert Shit. En fait, contrairement au dernier jeu que j'ai fait une critique, soit Tal, eh bien celui-là une certaine histoire, si on veut. Ouais, si on veut. Puis, c'est surtout que c'est un RPG. Ce qu'on fait de mieux avec RPG Maker XP. Alors, ben, on peut voir l'écran titre. Ça commence assez bien, c'est très beau. Il y a un petit cœur, ça fait fif. Mais au moins, il reste, c'est beau. Donc là, je sais que vous avez tout envie de faire quitter. Ben, pas grave. On fait une nouvelle partie et on entre dans le monde de Desert Shit. Bon, ok, le personnage principal s'appelle Malik. Bon, c'est ça, là. Je suis complètement perdu. Il y a un garde, là. Il est parti par là. Ah, je dois me cacher. En plus, vous voyez qu'il est comme plus ou moins roux, là. En tout cas, c'est un redhead, ça, c'est sûr, là. Bon, ok. Non, on va pas aller se cacher dans la grotte. On va aller continuer. Ils me retrouveront si je vais par là. Ouais, sûrement. Bon, ben, pas grave, là. On va aller leur casser la face. Ah, non, je peux pas aller par là. Bon, ben, je crois qu'il me reste juste à aller me cacher dans la grotte. Coudon, bon. Ok. Ben, je pense que je suis assez caché, là. Puis, ils ont dû partir. Quoi? Hey, coudon. Hey, ça, c'est louche, hein? Vous trouvez pas quand il y a juste une case de même, qu'on peut pas aller ni à gauche, ni à droite, qu'on peut juste pas contourner? Je suis sûr que si on va dessus, il va se passer de quoi. Donc, je vais essayer ça. Ah, quelqu'un est déjà passé par ici. Ok, il s'est enfui, retourne au camp. J'ai eu chaud. Ouais, je peux partir maintenant. Bon. Au moins, qu'est-ce qui est le fun dans cette grotte-là, c'est qu'il y a plein d'or. On peut même pas apprendre. Bouh. Bon, ok. Ça part assez mal comme jeu. Bon, là, il y a des traces de pas. On va les suivre, apparemment. Je vais voir Mika. Mika, elle habite dans la forteresse près d'ici. En fait, j'ai une anecdote comique. C'est que Mika, c'était le nom du premier chien que j'ai eu. Là. Bon, en tout cas, c'est une femelle. Là. Donc, en tout cas, juste pour dire, là, je trouvais ça intéressant. Là. Bon, Mika. Bon. Donc, un passage secret. Ah, c'est le fun, ça. Bon, ok. Attendez, c'est... Bon, ok, anyway. Avançons un peu. Tiens, il y a un garde ici, c'est ça qui va vouloir me tuer. Nous cherchons un homme, si vous voyez quelqu'un de suspect. Qu'a-t-il fait? Il a attaqué un de nos gardes et lui a volé de l'équipement. Si je le vois, je vous le dirai. Ah, c'est vrai que c'est moi. Bon, ok, là c'est vraiment ridicule, mais vraiment ridicule. Mais au moins, on est content de dire qu'on a volé des armes à quelqu'un. Alors, allons voir ce qu'on a volé. Des points. On a volé des points. On a coupé les points à un garde puis on y a volé. C'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais rien vu d'aussi sanglant toute ma vie. On a volé des points. Regardez, je peux les équiper puis les déséquiper à volonté. Donc là, quand on se bat dans ce jeu-là, on donne des coups de poing, mais les coups de poing, c'est les poings de quelqu'un d'autre. Hey, c'est quoi cette affaire-là? Mon Dieu! Hey, j'en reviens pas. Qu'est-ce qu'il y avait en tête quand il a fait ce jeu-là? Bon, ouf. On dit qu'il y a un monstre qui terrorise les habitants de la grotte de feu. Ok, il y a du monde qui vit dans une grotte de feu, apparemment. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bien sûr, celui, envoyez-le en prison. Ah. Ah, le jeu, il est vite fini, hein, c'était pas? Bon, ok. Ok, là, remarquez ça. La porte est complètement ouverte. La seule affaire qui bloque le passage, c'est un garde qui reste de même, puis nous watch 24 heures sur 24. Donc, c'est un peu ridicule, hein? Bon, en tout cas, j'ai un compagnon de prison. Qui es-tu? Je suis Balik, un guerrier magicien. Bon, c'est intéressant, il dit ça, ben ça se voit qu'il s'en crisse complètement. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Santana.
comme dans Valérie Pro Santana, apparemment, là. Si tu es un guerrier magicien, tu dois savoir te battre. Oui, j'ai même des poings avec moi. À nous deux, nous pourrions aisément mettre hors de combat les deux gardes. Il est le deuxième, en tout cas. J'ai pas le choix, je dois sortir d'ici de toute façon. Allons-y! Bon, ok. Allons voir un peu maintenant nos équipements, parce qu'on sait qu'il y a un combat qui s'en vient. Y a-tu volé des points? Ah, lui aussi, il a volé des points. Ah, mon Dieu! Bon, donc j'ai Thunderstrike et Triple Slash. Hey, ça fait-tu assez vieux? Je veux dire, c'est tout en français, puis là, on a Thunderstrike et Triple Slash. En tout cas, ça fait joue, là. Bon, ok, état, bon, il n'y a rien d'intéressant ici. Quitter, off, non, pas tout de suite. Bon, allons-y. Tassez-vous, nous sortons. Aucun nom, ce sera de gré ou de force. Bon, allez. Je m'attendais à ce que peut-être le deuxième garde soit avec lui, mais finalement, non, on n'a toujours pas trouvé le deuxième garde. Ok, je dirais rien. Je dirais absolument rien. On l'a tué d'une seule compétence. Vous en sortirez pas comme ça, c'est ça. Va-t'en, va-t'en. Bon. Ok. Bon, vous savez quoi? Je vais tout passer ça. Pourquoi encore des gardes? Ça doit être ça, le deuxième garde, dans le fond. Tiens, on va faire ça avec la chance. On va les tuer. Mort d'un coup. Triple slash. Wow. Bon, les combats sont assez simples. Au moins, ils sont vite, là. Bon, là, vous vous demandez c'est quoi cette boule noire, là. C'est genre les roches qu'on pousse, mais ici, ça sert pas à être poussé, ça sert à sauvegarder. Puis ça nous redonne notre vie, donc c'est même fun. On va s'arrêter là, juste pour l'instant. Ouais, c'est ça. Donc, ben, moi, je reviens. Bye!